Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va se retrouver sur ODT, l'épisode 3. Alors j'ai réussi à mettre en vie infinie, parce que c'était vraiment galère. Vous aviez pas le fait que je recommence tout. Je faisais que des ellipses, et moi j'en avais ras-le-cul de tout recommencer. Donc on va juste mettre des vies supplémentaires, vers des vies infinies. Mais vous inquiétez pas, je vais jouer comme si une vie c'était important, hein. Et tout le reste n'a pas été touché. Donc vous inquiétez pas, je vais jouer normalement, comme si mourir c'était chiant. Mais je vais me permettre certaines choses, genre aller au suicide ou quoi que ce soit. Je m'en fiche, je suis un vie infinie. Et on va se lancer tout de suite. Donc, tac, bien sûr, hop. Oh oui. Voilà. Eh oui. Là, vous le voyez pas sous ma webcam, mais il me dit un cheat a été appliqué. One cheats are enabled. Ouais, et on va être plutôt pas mal, je pense. Attendez, ma manette, merci. Oui, parce que moi je ne joue pas avec le clavier souris sur le PS1, bien sûr. Je respecte quand même, même si je suis plus clavier souris. Mais vu que c'est un jeu conçu PS1, je joue sur la manette. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire pareil, parce que c'est galère. Déjà, même avec une manette, c'est galère de contrôler, alors j'imagine même pas avec. Donc là, bien sûr, il faut que je le remette en mono, hein, qui est déjà en mono, bien entendu, parce que c'est pas marrant. J'ai juste à faire ça, je crois. Hein. Voilà, et là, c'est réglé, hein. Voilà. Truc complètement débile, mais c'est pas grave. Ça prend plus rien maintenant, on a l'habitude. Hein. Charger le jeu. La petite fente pour la carte mémoire numéro 1. C'était la 0005, hein, je crois. Moi, j'en supprime une. J'en garde qu'une seule. Hein. Vu que c'est des sauvegardes spécifiques. Genre des sauvegardes comme à la Tomb Raider, en fait, avec les cristaux bleus, je crois. C'est les cristaux bleus, hein, à l'époque. C'est cristaux bleus sur le PS1, je crois. Pour sauvegarder. Je sais que sur PC, c'est où tu peux sauvegarder à tout moment et c'est là que tu peux recommencer tout le jeu. Parce que si tu fais qu'une seule sauvegarde, t'es dans la merde. Et voilà, là je suis à bien fini. Bon, vous voyez pas, mais c'est marqué 254, hein, sous ma webcam. En bien fini. De toute façon, maintenant, on s'en fout. Et on était à. Oui, récupérer la clé. Oh, une nana. Attendez, ça spawn ça? Ou je l'avais pas vu? Autant pour moi. J'ai peut-être pas vu. Bon, alors à quoi ça sert d'être là? J'en sais rien. Je vais aller récupérer 2-3 trucs que j'ai oubliés dans des tonneaux. Et oui, plutôt. Je cherche juste une petite ellipse pour récupérer. Je crois que c'est un chargeur vert. Et des grenades. Je vais juste récupérer ça. Donc je vais une petite ellipse. À tout de suite. C'est bon les amis, j'ai pu retrouver tout ce que j'avais à retrouver. Donc j'ai retrouvé un chargeur vert qui me manquait. Un de mana aussi que j'avais oublié dans une caisse. Et le socle, ça. Et oui, ça. J'avais oublié de reprendre. C'est le type du départ qui vous donnait ça. Et j'avais oublié de le reprendre. Ah oui, à force de mourir, j'ai complètement oublié de leur parler, qui me donne le socle. Donc, on peut rien faire avec, de toute façon, mais au moins je l'ai. Et on devrait être plutôt pas mal maintenant. Alors, attendez, je vais juste remettre mes stats. On va mettre un peu de, voilà, un peu de pouvoir. Voilà. Et là, on va augmenter. Voilà, mana de sort amplifié. Donc en gros, c'est mes mana, c'est ma mana qui est augmentée. Ok. Ok, ça devrait être plutôt pas mal. Là, on va remettre de l'énergie vert. Tac, tac. Commence à être plutôt pas mal, hein, en vrai. Hein. Et le fait que maintenant, on pourra, maintenant, j'ai plus besoin. Moi, c'est un soulagement de plus recommencer tout ce qui a recommencé. Ah, oh, ça fait du bien. Oh la vache, j'en pouvais plus moi. Oula. Ouais, j'ai oublié que j'avais pas détruit cette tourelle et je la détruirai pas. Maintenant, il y a des chances que je vais au suicide hein, pour détruire ces trucs-là. J'ai récupéré des grenades aussi. Oui, j'avais réussi à récupérer des grenades dans un tonneau qui était à l'étage, je suis l'étage d'en haut en fait. Et bon, là on est mieux. Je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on doit soulever des caisses pour permettre d'aller là-haut? On m'a jamais appris de pouvoir soulever des caisses, hein, par contre. S'il y a un délire comme ça, tu vas pas le faire. Hein. Parce qu'on m'a jamais expliqué qu'on pouvait soulever des choses. De toute façon, on m'a jamais expliqué rien du tout. Hein. Par contre, ça va être chiant. Ça va être tellement chiant. Et je vais essayer de sauter là-bas. Hein. Non, mais comment tu fais pour récupérer ça? Il y a un moyen, il y a. Putain, je peux même pas faire gaffe. Enfin, même pas voir de loin. Il y a vraiment rien. Genre, je peux pas déplacer des caisses ou quoi que ce soit. R1, c'est pour changer. L1, c'est pour les sorts. E rond, c'est pour sauter. Triangle, c'est pour les grenades. Carré, c'est pour esquiver. Voilà. Et ça, croix, c'est pour taper. Et voilà, je fais toutes les touches. Et select, c'est pour les trucs. Bah, alors là, j'ai aucune idée en m'y sauter comme un bœuf là-dedans.
Vraiment, j'arrive pas à savoir comment aller de l'autre côté. S'il y a moyen d'aller de l'autre côté pour avoir le... Oh, mais non, c'est pas possible! C'est clairement pas possible, on est d'accord, c'est pas possible. Eh, on va tester ça encore. Attendez, il y a encore cette petite technique, essayer de se raccrocher au rebord. Hein. Parce que là... Yes! Non! Je me déteste. Je suis allé à gauche. Ah, je peux plus. Bon, j'avais un bon truc, il y a un bon truc, ça marche, en tout cas ça marche. Je sais pas si c'est la bonne méthode, hein, mais en tout cas, ça marche. Oui! Non, on va pas à droite, à gauche, merci. Ok, cool. On va aller de l'autre côté, voir ce qu'il y a. Parce que maintenant, vu que j'ai un fil infini, ça me dérange plus trop de tomber. Oh! 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 Il y a des choses. Mine ramassée, yes. Énergie ramassée, ok. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Non. Alors, je pense pas que c'était censé être comme ça, hein, qu'on devait avancer. Mais vu que j'avais pas d'autre endroit où aller. Ok, là, il y a rien. Est-ce qu'il fallait que j'aille de l'autre côté là-bas? Non! Attendez, je viens de voir un truc. Non, c'était vraiment comme ça? Attendez, je vais faire demi-tour. Je crois que c'est au niveau du téléporteur en fait. Oh, si c'est ça, c'était vraiment. Parce que je l'ai vraiment pas vu, quoi. Non! Attendez. Non? Attends, non, c'est pas là. Bah, c'est vers où? En gros, c'est vers où? Comment t'accèdes en fait là-bas? On s'en fout, j'ai la clé, hein, c'est pas grave. C'est la clé noire qu'il me fallait de toute façon. J'ai peut-être loupé une zone, j'ai peut-être grugé une zone. Hein. Ah, c'est le speedrun. Hein. Non, j'en sais vraiment rien comment accéder là-bas dans le trou là-bas. Vraiment rien de rien de rien de rien. Rien de rien. Ne tombez pas dans l'acide. Oui, bah ça, j'ai bien connu ça peut-être d'avant. De toute façon, ça me dérange plus de mourir. Ça me fait chier parce que bon, je vais essayer de jouer là, je vais faire paix quand même. Hein. Mais au moins, je sais que j'ai pas à tout recommencer. Psychologiquement, c'est super bien ça. Hop là, vu qu'il y a des checkpoints, voilà. Yes, on peut avancer. Enfin! Et je crois que j'ai vu une clé juste sur la droite là. Enfin, je crois. Attendez, il y a un truc là. J'ai vu une clé là, non? Oula. C'est quoi? Oula. Yes. C'est quoi? C'est quoi? Oh non. Oh, c'est un boss. Génial. Premier boss du jeu. Hey, il a de la gueule en vrai. Hein. J'aime bien. Hein. Je vais lui jeter des grenades. Ok, je vais les garder les grenades. Ouais, capte-toi, Jackie, capte-toi. Est-ce que je le bats au pied? Ah, oh, ça me tente bien en vrai. Attendez. J'essaie de faire des. J'essaie de mettre deux. Hop là! Vous voyez les mollo. Oh, ça le défonce! Au niveau de sa vie! Non, tu me chopperas pas. Alors, je sais pas s'il fait super mal, mais ça lui défonce au niveau de sa vie. Ça, c'est génial. Oh la vache, il fait mal! Tu kiffes? Ok, on va y aller mollo. On va y aller mollo. Parce que je peux pas enchaîner et lui retirer toute sa vie d'un coup. Ok, go. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Il est pas compliqué, ça va. Oh, par contre, il me retient toute ma vie avec son tremblement de terre. J'espère que j'ai de quoi me régénérer. Ouais, c'est bon, j'ai ça. Ok, il faut sauter pendant que tu fais le tremblement de terre, ok. Bon, ça va, et ça va, c'est pas super compliqué, ça. On va dire j'ai vu pire. Aïe! Hé! Hey! Et encore une fois. Yes, je l'ai eu. Ça va, le premier boss, c'était pas compliqué. Mais il a mis de la physique pour la destruction des boss. Et il me donne rien? Oh là, je suis déçu par contre. Ça me donne rien. Je suis déçu. Remboursé. Ça m'a rien coûté, mais remboursé. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh! Attends, c'est une énigme? Est-ce que ça me donne un truc secret? Attendez. Comment je sors d'ici? Là, ok, là c'était pour le boss. Ok. Mon premier boss, il est vaincu. Mais il faut que j'aille où maintenant? Là? Ok, ça se trouve automatiquement.
Attendez, attendez. Je suis sûr qu'il y a une énigme. Je suis sûr qu'on gagne des. Je suis sûr qu'il y a, y a un secret dans le coin là. J'en suis persuadé. Bon, vas-y, on s'en fout. Allez, go. Est-ce que moi je suis capable de rester pendant 2 heures ici sans trouver l'énigme? Oh, un sort de feu ramassé. Dis-moi tout. Montre-moi ta vie. Une mine. Oh, vous venez d'apprendre un nouveau sort. Bah, on va voir ça tout de suite. Transfert de certains, tu gagnes rien en XP. On va le mettre là-dessus pour upper l'arme après. Vraiment, il faudra vraiment que je mette un peu de constitution. Sort feu, bouclier. Oh, ça peut être intéressant ça. J'avais quoi vampire, ouais. Et ça, c'est pour régénérer. Ok. Ça commence à être intéressant. On commence vraiment à avoir des petits trucs là. Ok, on régénère la mana. Oh. Ok, go. Passons à la zone suivante, c'est ça? Voulez-vous sauvegarder? Oui. Oh. On va plus loin dans le jeu. Attention, attention. Première zone faite. J'ai jamais vu plus que ça. De toute façon, j'ai jamais vu premier boss. Hein. Pour vous dire, j'avais passé mais des semaines entières à juste passer ce niveau. J'avais jamais vu premier boss. Et là, on passe en 3 épisodes le premier niveau. Je suis heureux. Oh. Oh, des nouveaux mobs. Vous avez des robots? Oh, cinématique. Oh, il y a Gollum. Il y a Gollum. À mon réveil, je me retrouvais face à un être étrange. Oh, ce doubleur. Il me conta d'une singulière façon l'époque oubliée où ses ancêtres et leurs maîtres régnaient sur le monde et mon peuple depuis leur palais aérien. Jusqu'au jour où mes aïeux érigèrent une tour pour vaincre le tyran. Apouche. Bon, je sais pas quel micro il utilisait à l'époque, mais il avait été de très très bonne qualité quand même. Faut avouer, moi j'aime bien. C'est moi ou ma caméra elle est à l'envers? Et comme vous me l'avez pas dit? Attendez là. Attendez, si elle est à l'envers ma caméra depuis tout à l'heure. Et vous me le dites pas. Et je peux pas la modifier. Attendez. 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 Comment ça? Voilà. Bah, vous pourriez me le dire au moins, bande de cons. Eh, ta caméra est dans le sens inverse de l'endroit où tu regardes. Incroyable. Inversement de la caméra. Bon, continuons. J'ai jamais vu cette zone. Et on découvrira jamais d'ailleurs l'endroit. Putain, ce levier est bibliothèque. Est-ce qu'on va devoir remonter un moment? Que si on oublie du gaz, on se fout dans la merde. On peut pas utiliser le truc. Oh merde. Viens là. Oh, je t'aurai au point. Viens là, petite bâtire. Pousse. Allez, kick dans ta gueule. C'est du bien ça, hein. Oh, c'est con, hein, que j'ai que le psionique pour l'instant. J'ai pas beaucoup de sorts. Insérer la clé magnétique bleue. Ok, ça permettra d'ouvrir le barrage. Oh, la musique qui s'emballe, bien. Ça change un peu du de la première zone, au moins il y a de la musique. J'espère qu'elle sera pas en continu comme ça tout le temps, parce que ça va vite me gonfler, mais... Contrairement à Vigilant 8, où ça change tout le temps. Oh, ils sont costauds, eux. Bon, d'un côté, ça me rassure, parce que je sais que... Esquive. Hé hé hé, boy. Elle a un petit chargeur quand même là, j'ai rien du tout. Oh, c'est bon. Oh, oh, il y a des coffres. Attention. Oh, c'est que ça a mis du budget. Ok, ça valait le coup. Ça valait le coup quand même. J'ai ramassé du sort feu, d'énergie d'ailleurs. Hop, ça, ça, ça. Je peux pas encore améliorer. D'ailleurs, attendez, on va voir si je peux la. Et maintenant, c'est bon là. J'ai assez là. Oh, vous êtes sérieux, il me faut encore un ennemi. Je sais pas à quoi ça sert les mines, mais ça servira. En tout cas, hop là. Je sais pas comment on change les mines par contre. Il y a bouclier. C'est vrai que je peux faire un bouclier de feu. Ça peut être intéressant ça.
C'est quoi? Une tourelle, ouais. Et c'est lui qui la contrôle, la tourelle, je parie. Oh, ta maman! Oh, ta maman! Ta maman, comment je désactive cette merde? Comment je désactive ça? Ah bah ça, ça m'aurait fait chier à l'époque quand même de crever comme ça. Hein. À l'époque, l'épisode d'avant. Ok, on va tous les défoncer. Aïe. Bah, attendez, il y avait rien là-bas. J'avais même pas vu le levier, je suis sérieux là, j'ai même pas vu le levier. Ah ok, c'est pour mettre les plateformes. Ok, c'est pour plus tard quoi. Ousse. Est-ce que... Ah ok, d'accord, t'as pas le droit de t'approcher, ok. Je suis interdit, j'ai l'interdiction de m'approcher. Oh yes. Ok, je pense qu'il faut que je prenne la tourelle là-haut et que je les déglingue, c'est ça. Enfin... Eh, s'il te plaît, laisse-moi... Oh là. Ça devait être horrible à l'époque. Mais allez, monte. Ok, une carte magnétique jaune, je la vois là. Et là, j'appuie rond. Ok, j'appuie 3 pour tirer, ok. Ah, minage de testicule. Oh, je suis débile. Ah, je suis tellement débile, j'avais pas vu qu'il y avait de la... Il y avait des munitions. Bon, je vais juste faire une ellipse pour cet endroit. Ok, à tout de suite. Ah, je l'ai, je l'ai pas là, je touche pas. Je savais pas si je touche. Ok, voilà. Ok, je vais pas bouger. Ok, c'est bon, j'ai le truc. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Allez, faut pas rater. Ah, c'est chiant, hein. C'est chiant quand même. Bon, ça va, il me reste plus qu'une tourelle à avoir. Normalement, ça devrait le faire. J'avais recommencé un peu tout pour éviter pour économiser des ressources. Hein. Entre temps. Oh putain. Bon, alors toi, mon gaillard. Est-ce que je te touche? Ah ouais. Je te touche ici. Ah oui. Ah oui. Ah, ça, c'est beau, ça. Alors ça fait chier d'utiliser autant de chargeurs, enfin autant de munitions pour ça, mais au moins c'est fait. Mais pourquoi j'utilise pas mes grenades moi? Ah mais les grenades c'est trop situation, enfin les grenades je préfère les garder pour des bidons en vrai hein, quand j'y pense. Je préfère les garder pour des bidons. Attendez. Hop là, hop là, hop là. Yes, est-ce qu'il y a un truc là? J'espère qu'il y a un truc. Ne me dites pas que si j'avais détruit ça, ça aurait... Oh, petit passage secret. Vous avez découvert une zone secrète. Attention, il y a des zones secrètes dans le jeu. Eh, hey, tu respectes. Comment t'accèdes là-bas? Comme ça? Non. Je pensais que j'allais quitter. Peut-être en ouvrant ça. Il y a des zones secrètes, attention. Ça commence à me plaire, là. Vraiment. Ok, de l'énergie... C'est un levier, ça? Yes, c'est un levier. Ça va pas me mettre dans un endroit de ses morts, quand même. Alors ça, je vais mettre une mine, là. Mais comment tu changes d'arme? Attendez. Il faut choisir les mines directement ici, c'est ça? Genre là, t'actives... Voilà, la mine sélectionnée, d'accord. Et là, tu poses ta mine, c'est ça? Oh, c'est tellement pute! Tu la poses à peine! Tit. T'as pas le temps de réagir. Par contre, là, j'ai activé un truc, je sais pas ce que c'est. On va le laisser activer. On va pas y toucher. Ah, est-ce qu'il y a un truc en haut? Non. Attendez, j'ai rien vu là. Non, c'est bon, c'était juste un truc blanc. Ok. Ah, ça, j'ai pas pété le bidon, ça me sert à rien. Enfin, la musique quoi. C'est vraiment des musiques que tu mettrais dans les jeux d'horreur quoi. Pour bien te faire stresser. Oui, il y a un sort en bas. Je l'ai vu. Oh, la carte magnétique jaune, c'est vrai qu'il y en a une là. Hop là, le sort haut ramassé. Alors attention, est-ce qu'on va amplifier, c'est ça? Un vampire sort amplifié. Voilà, et là, ça fait quoi? C'est genre, ça augmente la puissance de ton sort, c'est ça? Voilà. Donc là, on va le mettre là. Et foudre, on va le mettre à droite. Par contre, ça, en foudre, on va le mettre là. Hein. Et vampire, on va le mettre là. Voilà, là, on va commencer à pouvoir parler.
Donc oui, c'est bien ça, ça joue au niveau des étoiles. On va aller récupérer la carte magnétique jaune, parce que là, je pense que c'est une porte jaune, vu que j'ai vu qu'il y avait des... Sur le coin, c'était jaune. C'est logique, hein, on dirait. Voilà, carte magnétique ramassée. Je sais même pas si elle est jaune, c'est génial, mais j'ai bien compris. Hein. Voilà. Ok, on peut avancer. Zone suivante. On continue, on est chaud. Je sais pas combien de minutes je suis, je dois être allé à 20 minutes, peut-être, ou 25. 25. On va faire 10 minutes supplémentaires. Ah, attendez. Alors ça... Hop là. Là, c'est un coin où je vais mourir, c'est sûr. Ok, c'est bon. Y'a pas de checkpoint. Je suis déçu. Quelle bande de connards. Mine. Oh oui, ça lui a fait mal. Moi aussi, ça m'a fait mal, mais... Ah, voilà. Et je gagne rien, vraiment, il n'y a même pas un chargeur qui spawn. Oh, je suis tellement deg. Mana, plus de mana. On va prendre chargeur vert. Un chargeur jaune. On va commencer à utiliser le feu, là. On va utiliser le feu, là, cette fois. Ouh, attention. Pour utiliser ça, on va utiliser des mines. Oh, la musique, elle est super forte. Je sais pas pour vous, mais pour moi, elle est super forte. Triangle. Ah, ce stress. Ouh, on va reprendre les mines normales, enfin les grenades. Ok, chargeur jaune ramassé. C'est quoi, c'est un meuble? C'est un monstre, c'est ça? Oh oui! Mais tiens pas dessus toi. Oh, faut bien viser hein. Ah, oh, faut bien viser quoi. Ok, c'est cool, j'ai un chargeur vert. Wow, bah s'ils mettent des meubles comme ça maintenant, on n'est pas arrivé. Hein. Ok, c'est vraiment que des ennemis. Je crois que c'était un allié, quoi, qu'il fallait aider, quoi. Un peu, ça change un peu. Mais en fait, non, c'est encore des ennemis. Ok, là, il y a un coffre. Ok, génial, mana ramassée. Là, il y a un petit truc, là, ici. C'est sûr qu'il y a un... Bon, alors toi, je vais t'avoir au point. C'est mort. Je vais me coller à toi. Pas la voir. Sérieux? Si je vise là-haut. Non? Je peux vraiment pas la voir. Attends, la musique, je vous avais dit qu'elle allait me gonfler un moment. Ok, vraiment l'énergie verte, c'est vraiment trop fou parce que ça maintient bien. Oh, il y a un sort là. Sort R ramassé. Ah, ça va augmenter le sort tornade, c'est ça? Vous venez d'apprendre un nouveau sort. L1, mode sort. Téléportation. Intéressant. Je vais le mettre à la place de la mana. Ça peut être intéressant. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Enfin, peut-être que... téléportation dans ce niveau, je sais pas. Peut-être que ça te remet au dernier point checkpoint. Peut-être. Oh, ta maman. Oh, il y va. Oh, putain, j'arrive pas à jouer. Meurs. Yes. Ça commence à devenir assez compliqué. Alors ça, ils vont mettre un truc caché là-dedans, c'est sûr, dans une petite mine. Mais bon, le jeu commence à devenir vraiment, vraiment bien. Ouh, j'ai chaud. Il n'y a rien du tout. Ok. En fait, ça, c'est juste pour tuer les robots, en fait. Je le saurais. Attendez, on va reprendre des grenades. Hop. Tac. Oh le bâtard! Je l'avais pas vu! Est-ce que ça va tuer? Mes couilles! Est-ce que je peux pas monter sur la table et le déglinguer comme ça? Parce que moi c'est ce que je vais faire, hein, clairement. Ah bah voilà! Eh! Hey, il est bien! On est bien là! Je vais faire ça tout le temps, ça m'évitera des... Ça m'économisera un peu de ressources, quoi. Alors, chargeur jaune. J'aimerais bien des sorts qui permettent de donner de la charge. On va garder la téléportation. Attendez. Alors ça, c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Attendez.
Ok. Ah, ça, il faut que je pète tout, c'est ça? Ok, j'ai compris. C'est quoi ça? Un grenadier. Okay. Les mines. Hop. On va en poser une ici. Connard! C'est l'oiseau qui a pété le truc, il est sérieux là? Ou c'est lui qui a tiré peut-être? Mais j'en sais que c'est mon oiseau là! Putain, je vais l'appeler comment d'ailleurs l'oiseau? Ah, je vais lui donner un petit surnom. Bah, réveille-toi! Hein. Ah ouais, réveille-toi! Je vais pas le frapper si s'il est pas réveillé. Attendez. Ok, d'accord. Tout à l'heure je pouvais les tuer, là je peux pas le tuer. Ok, on va juste prendre ça et se casser parce qu'il donne rien à le tuer quoi. Ça ne donne que dalle. Donc c'était juste pour des chargeurs. Bon, c'était cool, mais j'aurais préféré quand même avancer dans l'histoire quoi. Une carte magnétique. Je sais plus combien de quelle couleur tout à l'heure là, mais bleu je crois. Il me faudrait. J'ai vraiment rien raté. Enfin, j'ai peut-être raté quelque chose quoi. Putain, c'est sinistre, ils ont voulu aller la faire à la Silent Hill, même si Silent Hill est sorti plus tard. Oh putain. Est-ce qu'il faut que j'interagisse avec ça? Je tape. Ok, non. Les mines, on va les changer, on va reprendre les grenades. Je commence à manquer de grenades. Hein. Là, ça va commencer vraiment à être peu. Bon, on va retourner en arrière, hein. J'ai peut-être oublié quelque chose. Ah, au moins on avance dans cet épisode, contrairement à l'autre. J'ai l'impression que l'autre, j'avançais pas. Lui, par contre, on avance bien. Enfin, quoique l'autre aussi, hein, les autres épisodes, si on avançait bien quand même. C'est juste un. J'ai bien envie de mourir et péter ça. Tiens. Juste pour voir s'il y avait quelque chose dedans. C'est pas grave, vu que j'ai vie limitée. Là, je me permets quand même, hein, de temps en temps. La 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 la. Vous imaginez? Les tourelles, j'ai passé 3 fois à les tuer. Hein. J'avais pas les vies limitées, je recommence à chaque fois tout. Hein. Ça a été une horreur. J'ai eu vraiment raison de mettre les vies limitées. Non, mais vraiment, j'ai rien. Est-ce que la carte magnétique que j'ai trouvée tout à l'heure, elle marche aussi là-dessus? Mais c'était une jaune, pas une bleue. Là, c'est une bleue qu'il me faut. Ouais, j'ai compris. J'ai compris, mais ouais, mais. Elle est où? Je vais là-bas, y'a personne. À moins qu'il faut que je détruise le robot. Savoir, il fallait que je détruise le robot. Ah, j'en suis sûr que c'était ça. On va utiliser le pouvoir de niveau 2, là. Électricité sur des robots, c'est mieux, quand même, je pense. J'ai quoi comme pouvoir? Téléportation et vampire. On va prendre l'électricité, on va prendre la foudre. Est-ce qu'il y a du New Game Plus dans ce jeu-là? Je sais pas, mais après, c'est pas un jeu où je t'amuserais avec du New Game Plus, là. Finalement. Ok, cool. Ouh, et voilà, c'était ça. Allez, la bleue. Yes. Et on se casse. Par contre, très puissant, le pouvoir. Pouvoir de foudre. Ouf. J'attends que ce soit au niveau 3 et ça va être sexuel. Après. Ah, là, j'ose le dire. Parce que vraiment... Ah, ça fait un moment qu'on tourne là. Avec mon problème de caméra tout à l'heure. Ça va être chiant, par contre. Je pense que ça va être chiant au début de la vidéo. Le fait que la caméra elle est tournée vers l'extérieur de l'écran. Bon, on verra. Je pense pas, en vrai, ça va gêner votre visionnage. Moi j'aime bien quand c'est à peu près parfait. Je vais être honnête. Je suis assez paranoïaque là-dessus. Yes, on va pouvoir avancer un tout petit peu. Bon, allez, on va se suicider dans l'acide, me connaissant. Y'a rien là? Attendez. Je crois que je viens de comprendre. En fait, voilà, le truc qui doit venir vers moi, après je dois retirer le levier pour qu'il y ait la basse automatique. Et bah putain. Et bah purée mon gars, c'est galère. Et là, tu fais ça et ça va relancer de l'autre côté, c'est ça? Et là, faut que j'aille avant qu'il passe. Tac! Eh, c'est tactique, hein! Mais j'aime bien. Ok, nice. Des chargeurs, ça c'est cool.
Chargeur vert, vert. Merde, j'ai... Oui, j'ai du transfert de stats à faire. On va faire ça, voilà. Et on va faire... Peut-être pas autant, voilà, juste comme ça. Comme ça, je mets le power-up. Putain, pas assez. Voilà, power-up, voilà. Et je augmente encore la puissance de mes armes vertes. Ça, on va devenir vraiment fort, abonnément. Jaune, on va éviter d'utiliser. Et j'ai pas un sort à augmenter pour l'instant. Non, on va garder nos points de... On va mettre en constitution pour l'instant. Voilà, comme ça on permet de résister un petit peu plus et faire plus de dégâts au corps à corps. Je pense que c'est un délire comme ça. Hein. Ok, cool. On va récupérer ça que je viens de faire tomber. Hop là, et on y go. Et je pense qu'on va se laisser là. Bah, quoique, j'aimerais bien sauvegarder avant. Vous imaginez que depuis tout à l'heure, je n'ai pas eu une seule sauvegarde. C'est quelque chose, hein. Je peux pas sauvegarder. Là, tant que j'ai pas de sauvegarde. Regardez, j'ai juste un checkpoint. J'ai pas de sauvegarde. C'est punitif à mort si vous mourrez. J'ai pas d'extra life, j'ai que dalle. Alors toi, je vais te cramer les trous de balles. Voilà. Par contre, grâce à ma constitution, je résiste plus. Ok. Ok, alors ça, c'est les coins de pute, ça. Vraiment, de tourner comme ça. Alors ça va être actionné. Hé hé, boy. Yes, une énergie. Et surtout les chargeurs, quoi. Surtout les chargeurs, c'est vraiment le plus important. C'est tellement pute. Ah, dans ce jeu-là, c'est vraiment de Dying Retry pur et dur. Hey, vous imaginez, j'ai pas eu de point de sauvegarde depuis le début. Je meurs, je recommence tout. Avant les tourelles et tout. C'est hardcore. Non mais... Oh, ce bruit. Oh, j'espère que vous kiffez, hein. Yes, du gaz. Oh, c'est hardcore, aux oreilles, attendez. Bon, moi, je me baisse. Vous assumez, hein. Vous assumez, vous regardez la vidéo, hein. C'est vous qui avez kiffé, hein. Aïe. Ah, c'est horrible. Oh non, mais c'est tellement horrible, j'imagine même pas. À l'époque sur PS1, qui a fini le jeu, quoi? Qui est le gars qui a fini le jeu sur PS1 à l'époque, quoi? T'as une carte magnétique verte. Bon, s'il te plaît, merci. Ok, là ça revient au début. On va pas y aller, ça a rien. Oh oui, une sauvegarde! On va pouvoir se laisser. Lâche-moi! Meurs! Ah, c'est tellement horrible. Attendez, on va quand même un peu avancer avant de sauvegarder. De toute façon, je peux mourir. Qu'est-ce que je viens de dire? Je pouvais mourir. Non, on va aller sauvegarder. Ah, punaise. Je sais pas pourquoi, mais je commence à apprécier le jeu grâce à la vie infinie. Donc non, là, on n'a pas le droit d'y aller. Donc là, on aille là-bas. Ok, on passe par là. Ok. Ok, on va juste remettre un petit coup en tout là. Feu, du vert. Oh là, on commence vraiment à être pas mal. Regardez les items qu'on a. Bon, nous, on a plus beaucoup de grenades ennemies, mais on a dit de gaz. On avance hein, là-dessus aussi, c'est pareil. Et sauvegardons. Enfin. Hé hé, boy. Ouais, bah oui. L'autre, je vais essayer de la supprimer. Hein. Ça sert à rien. Ça va dans ce jeu-là, ça va. On peut sauvegarder sur un seul slot, il n'y a pas vraiment de risque à prendre. Sauvegarde terminée. Nickel. Et là, la touche de sauvegarde a disparu. Nickel. Bon. Et ben, j'espère que ce troisième épisode vous a plu. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Premier boss, on avance dans l'histoire et on voit que le jeu est très très punitif. Hein. Comme d'habitude, le timing retry. Hein. Et on va se laisser là. Donc, passez une bonne journée, une soirée. Bisous, c'était Xana. Tchuss.